Vous allez manifester la personne à laquelle vous pensez pendant que vous êtes en train de dormir. C'est vraiment très simple. C'est ce qu'on va voir de suite ensemble. Alors likez cette vidéo parce que vous allez adorer ce qui va suivre. Je rappelle qu'il y a un jeu concours pour les 10 000 abonnés sur ma chaîne, sur mon Instagram. Sur mon Instagram, là on est sur ma chaîne YouTube, mais sur mon Instagram, donc les ressentis de Mélodie, je vous invite à venir jouer et gagner ce merveilleux pendule. Voilà. Donc sur mon Instagram, les ressentis de Mélodie pour fêter les 10 000 abonnés. Ce que je vais vous montrer ici va être très simple. En fait, on a peut-être l'impression que ce qu'on voit est réel, mais en fait, il y a énormément de choses qui se passent qu'on ne voit pas. Il y a énormément de choses invisibles qu'on ne voit pas. Tout simplement parce que l'univers est fait de plus de 95% de vide. Et ce vide n'est pas vraiment du vide, ce vide est de l'énergie. Même nous, nous sommes faits à plus de 95% de vide. Ça paraît complètement dingue, pourtant c'est bien la vérité. Et ce vide, c'est juste de l'énergie. Quand vous aurez compris que tout est énergie et qu'il y a des choses que vous ne voyez pas dans l'invisible, mais comme par exemple le Wi-Fi, personne ne le voit, c'est pas quelque chose de palpable. Pourtant, ça marche. Donc, vous voyez, il y a énormément de choses qu'on ne peut pas voir et pourtant ça fonctionne. Donc, ce n'est pas de la magie, c'est de la manifestation. Et la manifestation, c'est de rendre quelque chose à l'état invisible, à l'état visible. Et c'est exactement ce qu'on fait ici. Alors, vous allez noter le prénom de la personne à laquelle vous pensez. Donc, par exemple, moi, je vais noter mon prénom pour que vous puissiez voir. Donc, Mélodie. Ok, vous le notez déjà verticalement. Et maintenant, vous allez noter le prénom horizontalement. Comme ça. Maintenant que vous l'avez noté et verticalement et horizontalement, vous allez prendre cette feuille et tout va se passer avant de s'endormir. Il faudrait que vous puissiez avoir cette feuille entre vos mains en train de regarder cette feuille, regarder le prénom, vous connecter à la personne comme ça, 10 minutes avant de vous endormir. Parce que c'est là, c'est ce moment-là où votre subconscient est grand ouvert et où il y a des choses qui peuvent se passer qui sont incroyables. Vous allez donc vous coucher, regarder les prénoms que vous avez notés, donc le même prénom que vous avez noté deux fois, et vous allez envoyer des pensées d'amour à cette personne. Des belles pensées, tout ce qui peut être positif, tout ce qui peut être lié à l'amour, à l'amitié, au pardon, à la complicité, au lien. Et vous allez, grâce à cette technique, créer un réel lien avec cette personne. Une fois que vous avez envoyé toutes les belles pensées que vous avez à l'intérieur de vous, qui vous viennent spontanément à vous, vous allez dire exactement ça. Je demande à mon subconscient de m'aider et de me permettre à ce que mon champ énergétique, mon champ d'énergie se mêle doucement tout au long de la nuit pendant que je dors. Et vous allez voir dès demain des signes incroyables. Peut-être que cette personne va vous appeler, peut-être qu'elle va vous envoyer un message, peut-être qu'on va vous parler d'elle, peut-être que cette personne va liker une photo de vous. Vous allez voir des signes très, 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 très rapidement dès demain. Faites-le et j'attends vos retours via mon Instagram. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très vite.